Est-ce qu'il s'agit seulement du sommeil spirituel? Est-ce qu'il s'agit seulement du sommeil spirituel? Alléluia. Il s'agit aussi de quel sommeil? Le sommeil physique. Alléluia. En fait, c'est ça, en fait, le spirituel. C'est que toi tu dors là, c'est ça qui est déjà, c'est ça qui se passe dans le spirituel. Si tu dors beaucoup, alléluia, sache que même spirituellement c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Gloire à Jésus. C'est un chrétien qui passe son temps à ronfler spirituellement, il est là, alléluia, endormi. Amen. C'est là, c'est manifeste juste dans le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a été déjà fait, bien travaillé dans le spirituel. C'est là, c'est manifeste simplement dans le physique. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle en cette matinée. Réveille-toi, toi qui dors. Un chrétien qui dort spirituellement. Alléluia. Est déjà mort spirituellement. Gloire à Jésus. Après le sommeil spirituel, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Un chrétien qui dort spirituellement est spirituellement mort. Alléluia. Il n'a pas de vie en lui. Sommeil spirituel est égal à mort spirituelle. Il faut le dire. Sommeil spirituel est égal à mort spirituelle. Alléluia. Sommeil spirituel est égal à mort spirituelle. Nous allons continuer. Lisons aussi quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 40 à 45. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 45, je nous rends les choses. Amen. Et il vint vers les disciples qui trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne une seconde fois et prie ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant la même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons être des vierges sages. Alléluia. Nous devons être comme des vierges sages et non comme des vierges folles. La Bible dit, il vint vers les disciples qui trouvaient endormi. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Alléluia. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens passent le temps à dormir. Alléluia. À dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Après tu vas dire que je suis attaqué dans les songes. Je marche partout dans les songes. J'ai des couches de nuit, mais c'est normal. Alléluia. Tu as quelle vie? Où est ta vie d'intimité avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu veilles avec le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus nous a dit à Pierre, Pierre, n'avez-vous pas pu veiller seulement ne serait-ce qu'une heure avec moi? Est-ce que mon frère, tu veilles ne serait-ce qu'une heure avec le Seigneur Jésus Christ par jour? Ou par lui? Alléluia. Est-ce que tu veilles avec le Seigneur Jésus Christ ne serait-ce qu'une heure seulement? C'est la question que le Seigneur Jésus Christ te pose. Mon frère, c'est normal. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est venir à l'église, chanter, danser, et c'est tout. On s'arrête à ce niveau. Mon frère, ma soeur, si c'était ton cas, alors en cette matinée, détrompe-toi. Alléluia. En cette matinée, lève-toi, réveille-toi. Parce que tu es en danger. Un chrétien, je vous assure. Un chrétien qui ne prie pas en ce temps de l'enfer n'est rien devant le diable. Je vous le dis, la vérité. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, je vous le dis, la vérité. Tu ne fais même pas le diable. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Amen.
pries pas, tu es un chrétien, tu ne pries pas. Jésus qui insistait, prier sans cesse. Prier sans cesse. Quand vous allez voir, le Seigneur Jésus a répété le mot prière plusieurs fois. Plusieurs fois. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est le cauchemar des chrétiens. Quand on parle de prière, alléluia. C'est le cauchemar. Quand on parle de prière, les gens commencent à se sentir lourds. Donc, quand c'est pour le téléphone, tu pour ton téléphone, tu peux passer facilement 6 heures de temps, 5 heures de temps. Mais, quand il faut prier, c'est comme si vraiment tu avais, je sais pas, c'est comme si vraiment tout le problème du monde vient de tomber sur toi. Donc tu ressens, en fait l'atmosphère change quand on parle de prière. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça. L'atmosphère change. Mon frère, alors que c'est facile pour toi de naviguer sur les réseaux sociaux. 5 heures de temps pour vous, 6 heures, tout est facilement comme aujourd'hui. Mais quand il s'agit de prendre sa Bible et méditer, ou alors de prier, ça devient tout un problème. La personne va faire semblant. Seigneur, je te remercie pour toute la journée. Voilà, merci, ma chérie, mon pour te dire, c'est bon. Même chose pour la méditation. Tu vas prendre la Bible, tu commences à créer comme ça. Le Seigneur connaît le Saint-Esprit, sort de ton cœur. Tu n'es pas concentré. Alléluia. Tu fais semblant de dire que non. Tu médites, tu ne médites rien. Le Seigneur sait que tu as envie de faire vite. Donc dans ton cœur, tu. En fait, quelque chose te dit, fais vite. Et rentre sur ton téléphone. Donc fais vite, fais vite, fais vite. Donc pour toi, c'est comme une prison. Quand il s'agit de méditer, tu sens en toi comme une prison. Quand il s'agit de prier, c'est comme une. Mais quand il s'agit de manipuler ton téléphone, oh, ça coule. Alléluia. Le Seigneur t'interpelle dans cette matinée. Réveille-toi en fin du sommeil, mon frère, ma soeur. Pourquoi dors-tu? Pourquoi passes tout ton temps à dormir? Tu passes tout ton temps à dormir. Alors, il s'éloigne encore une seconde fois. Et pria. Mon père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Quand ta volonté, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Oh, c'est là que tu dois t'enseigner. Amen. Il trouva encore les disciples endormis. Vous savez à quel point le Seigneur n'aime pas. Vraiment, je vous le dis. Il les trouva encore endormis. Il venait juste de dire à Pierre. Après quelques moments, il était, il trouve encore les mêmes disciples endormis. Donc c'est ça. Vous comprenez maintenant. C'est la même chose que les chrétiens font. Le Seigneur te réveille dans la nuit à 1 heure. Mon fils, pardon, veille avec moi. Tu te réveilles à 1 heure. Tu regardes, tu regardes, tu restes là, tu regardes, tu réfléchis. On est élevé pour prier, commence à prier. Tu te couches, tu dis, le sommeil est sucré. Le sommeil est sucré, mon frère. Tu continues à rentrer. Le Seigneur te réveille encore à 3 heures. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone bien, il est 3 heures. Au lieu de prier, tu te couches encore. Il te réveille même dans tout ça, il continue, il te réveille même encore 5 heures. Quand même, puis quand même au moins. Tu te couches encore. Oh, le sommeil est sucré. Est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur? Et c'est toi qui es le premier, la première personne à critiquer le Seigneur, à dire, Seigneur, pourquoi tes choses ne marchent pas? Tes prières ne marchent pas, ne marchent pas. Alléluia. Nous sommes en guerre, je vous le dis. Alléluia. Maintenant le monde, qu'est-ce que les gens disent souvent? La vie appartient à si le monde parle de tes langages. Imaginez combien de fois Dieu. Quand Jésus-Christ insistait. Auprès de ses apôtres, n'avez-vous pas pu veiller seulement 1 heure avec moi? Si un chrétien, je peux dire, c'est l'air dans la vie, ne serait-ce qu'une heure. En fait, je peux le dire, en fait, ce n'est pas forcément le nombre de temps qui compte, c'est la fidélité qui compte. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Le Seigneur aimerait que nous soyons fidèles dans la prière. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ avait ses heures de rencontre. Alléluia. Alléluia. Il sortait tôt le matin et il partait. Gloire à Jésus. C'est ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la fidélité. Même si tu pries, tu vas te mûrir. Et que
Chaque jour, tu te lèves pour prier. Ce n'est pas l'heure d'abord que le Seigneur va régler. Ce n'est pas le nombre de temps que le Seigneur va régler. Le Seigneur va regarder ta fidélité. Alléluia. Un témoignage. Un frère, tout le temps se lève. Tu veux le dire? Et un chrétien qui ne prie pas, Dieu va te dire qu'est-ce que tu vas attendre de Dieu pour qu'il te dise quelque chose. Il ne va rien te dire. Il va révéler seulement ces choses à ses enfants qui sont assis dans la prière. Amen. Il priait chaque jour, il respectait sa foi. Chaque jour, il se levait. En fait, je vous dis que le problème, ce n'est pas le temps. Laisse d'abord le temps. Si le Seigneur te pousse à prier 10 heures, puis il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais sois fidèle. Lève-toi chaque jour. Parce que l'ennemi ne doit pas. Gloire à Jésus. Le chrétien se levait chaque jour. Il se levait chaque jour. Quand il se levait, il mais un jour, le Seigneur est venu. Que le Seigneur lui a dit, il a vu sa fidélité aujourd'hui. Je vais te parler. Le frère a ceci. Le Seigneur voulait prendre le billet pour écrire. Le Seigneur dit non, ne prends pas le billet. N'écris pas. Quand je vais te parler, ça va rester dans ta mémoire et tu vas te rappeler de tout ce qu'il dit. Alléluia. Rencontre une dynamique quotidienne avec Dieu. Amen. Est-ce que c'est ça que toi tu fais, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu le fais? Mais pourquoi tout le temps tu passes à casser les oreilles de l'éternel, à casser les oreilles du Seigneur Jésus? Pourtant, toi-même, tu ne te lèves pas. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, comme on dit souvent, ton destin est entre tes mains. Alléluia. Certains disent souvent comme ça dans le monde. C'est toi-même le problème. Si tu veux casser ta vie, ça dépend de toi. Mais le Seigneur veut que tu fasses d'abord le premier pas avant que lui-même maintenant t'accompagne. Mon frère, l'heure est venue de t'élever. Je te dis en Dieu, en vérité. Cet enseignement, j'ai donné cet enseignement ici lundi. Comme il n'y a pas souvent beaucoup de monde ici le lundi, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur à insister sur cela, m'a mis à cœur vraiment de rappeler cet enseignement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu dorment. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel. Beaucoup ne prient pas. Quand le Seigneur vient, si le Seigneur vient maintenant et regarde la vie de prière de chaque chrétien, je vous le dis, ça sera la catastrophe. Comme vous entendez souvent que quelqu'un à l'école a eu et demi en maths. Je vous le dis en vérité. Demi sur 20. Ou alors, voilà, 0,05. 0,25 sur 20 en maths. Amen. Je vous le dis, c'est terrible. Nous devons nous lever. Il est quitta et s'éloigna, pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Amen. Vous dormez maintenant. Le Seigneur sait que tu as besoin du repos. Alléluia. Il veut d'abord que toi, tu fasses ta part. Que vous minimisez vraiment l'ennemi, vous minimisez le diable. Vous minimisez vraiment le diable. Si le Seigneur ouvre tes yeux et comment l'homme fort est assis sur ta vie, tu ne peux pas croire. Mais si tu ne pries pas, tu vas faire, si vous voulez voir des chrétiens 50 ans dans la foi, mais ils tournent en rond. Amen. Beaucoup ont passé le temps à accuser le Seigneur. Oh Seigneur. D'autres vont même se décourager et abandonner la foi. Pourtant, le problème, c'est toi-même. Ma soeur, lève-toi dans la prière. Et toi, tu verras, tu verras tes témoignages ici. Amen. Lève-toi dans la prière. Je te le dis en bêtise. Toi qui lutte avec le péché, est-ce que tu pries? Est-ce que tu as traité ce problème dans la prière avec le Seigneur Jésus-Christ? Toi, tu es dans un péché qui ne fait que répéter. Tu ne fais que tomber dans un péché répétitif, d'une manière répétitive. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Que dois-je faire? Dois-je jeûner? Ou alors dois-je prier? Alléluia! Mon frère, je te le dis en vérité.
Ce n'est pas quelqu'un qui vient de ta vie. En fait, tout dépend de toi. Si tu veux, tu peux cacher ta vie. Et si tu veux, tu peux vraiment faire de toi ce que le Seigneur t'amène à un niveau élevé. Amen. Tout dépend d'abord de toi. Parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais arrêter quelqu'un et forcer quelqu'un à faire sa volonté. Jamais. Tu dis que le Seigneur, le sommeil est bon. Le Seigneur, il parle toujours d'une manière douce. Alléluia. Il va venir dans la nuit, te réveiller. Il faut prier. Tu entends peut-être bien la voix, te dire, il faut prier quand même. Mais tu dors. Le Seigneur, est-ce qu'il va te poser? Il ne va jamais. Il va te laisser. Tu vas rentrer comme tu veux. Continue à rentrer comme tu veux. Il ne va jamais te poser. Le Saint-Esprit est là pour que nous pas compris, pour nous aider à nous propulser davantage. Il fait de notre façon de prier pas. Alors il nous accompagne. Alors, pourquoi continuons-nous de dormir? Je vous le dis, aucun démon ne résiste face à la prière. Amen. Le diable ne résiste pas face à la prière. Il ne résiste pas. Un chrétien qui prie est un chrétien enflammé. Est un chrétien feu en d'autres termes. Je pense que vous avez vu de certaines vidéos. Mais c'est la réalité. Les vidéos que vous voyez souvent circuler quand quelqu'un en prière, comment le feu est en train de brûler. En fait, c'est la réalité. Amen. Quand tu pries, tu es enflammé, tu es en feu. Tous les chrétiens qui prient sont des géants dans le monde spirituel. Et quand ils marchaient, quand le monde éternel les voit, c'est le feu qu'ils sont en train de marcher. On voit le démon, on voit le feu. Parce que tout ton corps est enflammé. Comment l'ennemi va tenter de s'approcher de toi? Vous voulez dire? Vous voyez souvent ce genre de choses. Vous allez dire que vous pensez peut-être que c'est, mais c'est la vérité. Un chrétien qui est un feu dévorant. Et un feu dévorant. Mon frère, toi qui luttes avec le péché, péché depuis, même si je ne te dépasse, même si je ne sais pas un seul jour, regarde ta vie. Est-ce que tu t'es déjà levé pour dire que je vais jeûner et je vais prier pour que le Seigneur me délivre? Non, tu ne le fais pas. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Romains 13, 11, 14. Romains chapitre 13, verset 11 à 14, je lis le Jésus. Amen. Cela est encore d'autant plus, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons prié. Amen. Amen. C'est l'heure enfin de nous réveiller de quoi? En quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, plus près de nous, lorsque nous avons cru. Mon frère, un chrétien qui n'a pas eu envie de prier ne peut pas résister face au péché. Alléluia! Qu'on ne te mente pas. Si tu n'as pas eu envie de prier, oublie. Tu ne peux pas résister au péché. Tu auras toujours des désirs charnels, des désirs. C'est pourquoi tu as toujours des pensées petites, des pensées charnelles. Alléluia. Tu n'as pas eu de prière. Un chrétien qui prie, quand il voit le péché, le Saint-Esprit qui est en lui s'irrite. Alléluia. Le Saint-Esprit, en fait, il est gêné quand il voit le péché. Et quand on voit une femme, ou alors les filles qui marchent souvent, laisse les problèmes lutter dehors. Au contraire, ça va l'irriter du coup, ça va les dénerver. Alléluia. L'Esprit de Dieu en lui s'aider, ça. En fait, il est gêné. Parce que le Seigneur ne supporte pas ça. Mais voilà la différence. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'a pas fait de prière, son cœur va commencer à faire. Alléluia. La convoitise. Vous savez que beaucoup de chrétiens font. Son cœur commence à battre. Commence à battre.
transformation que lui t'a fait le prix. Tu ne pries pas, tu n'as pas aimé les prières. Ta vie de prière est pauvre. Comment tu fais que le Seigneur te délivre, mon frère? Il faut avoir une vie de prière. Le sommeil ne te donnera rien. Depuis que tu dors, le sommeil t'a rien donné quoi, mon frère? Le sommeil t'a rien donné quoi? Pose-toi la question. Nous devons nous réveiller en fin du sommeil. Le salut est plus proche de nous. Nous vivons la fin des temps. Je vous le dis. En cet temps de la fin, un chrétien qui ne prie pas est en très grave danger. Il est en danger et ne peut pas s'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es un chrétien qui vit simplement comme religieux, tu ne pries pas. Tu t'en fous de la prière. Tu ne peux pas. Comment tu vas t'en sortir? Je me demande. Avec des milliards de démons qui ont été relâchés. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu vas bondir des bouches, des lèvres, des secrétiens, mais c'est tout. Mais en réalité, quand les démons te voient, tu ne les fais. En fait, tu ne les pas classé. Tu ne les pas considéré comme un chrétien. Tu n'as pas une vie de prière. Mon frère, il faut prier. Le Seigneur peut dire que non, il faut qu'on revienne sur ce message. Ce message a été prêché ici lundi, mais il y a peu de personnes. Peu de personnes, mais j'ai ressenti vraiment cela dans mon cœur, de revenir sur ça. Vous savez, c'est pas vraiment. Il n'y a pas souvent cette attitude-là. Il revenir sur ce message de lundi, mais cette fois-ci, non. Beaucoup de chrétiens. Matthieu chapitre 13, verset 25 à 30. Matthieu chapitre 13, verset 25 à 30, je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, se m'a délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe lui poussait et donnait du fruit, livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livrer? Il lui répondit, c'était l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peu qu'en arrachant l'hiver, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'hiver et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Gloire à Jésus. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi fait et fait quoi? Son ennemi fait et seulement de l'hiver parmi le blé s'en alla. Alléluia. Tu ne sais pas ce que le diable fait quand tu dors, toi qui aimes le sommeil. Par qui le Seigneur avait pas appris depuis de te réveiller et de prier. Et tu ne veux pas. Tu dis que le sommeil est ce que tu ne sais pas. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi fait et seulement de l'hiver. De problèmes spirituels aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. D'autres ils sont plus sages. Je te dis, mon frère, prie chaque prisement, chaque nuit. Je ne te demande pas, je ne te donne pas l'heure. Même si c'est dit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que sois fidèle. Lève-toi chaque nuit de prier. Si les problèmes des couches de nuit et des repas dans le corps persistent, c'est que vraiment. C'est ton cas et de mon sérieux. Amen. Amen. C'est que ton cas est sérieux. Et une vie de prière, tu me diras et tu témoigneras. Que vraiment, homme de Dieu, ça marche. Alléluia.
toi qui mangeais dans le rêve, tu vas voir. Tu vas manger, tu vas voir que c'est fini. En fait, le Seigneur va te délivrer même sans que tu t'en rendes compte. Parce que tu as eu une vie de prière. Et là, tu as bloqué la voie au ciel des sourds. Beaucoup m'ont passé le temps à dire, homme de Dieu, priez pour moi, homme de Dieu, priez pour moi. Pourtant, toi-même, mais le même c'est que tu expliques l'homme de Dieu, soit aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit à toi, mais il faut. Mais pourquoi tu n'utilises pas cela à ta faveur? Pourquoi tu ne laisses pas, tu ne donnes pas vraiment la possibilité au texte du Saint-Esprit d'être utilisé? Pour que tu sois un instrument efficace entre les mains du Saint-Esprit. Pendant que les gens dormaient, les nuits veillent et s'aiment de l'idée. Pendant que tu rompes, tu passes tout ton temps à dormir. Les nuits vont venir s'aimer toutes sortes de choses en toi. Il va s'aimer la lourdeur. Il va s'aimer l'impudicité. Il va s'aimer toutes ces choses en toi. Et par ces petites, tu vas te lever le matin, tu vas commencer à combattre les filles partout, partout dans les rues. Tu vas commencer à combattre, Et toi, jeune chrétien, toi, jeune fille, tu n'as rien de plus à te contrôler, à contrôler ton corps. Tu vois une femme, une belle femme, un jeune homme, ton cœur commence à battre. Tu n'arrives pas à supporter beaucoup de critiques sont dans ces genres de problèmes. À cause du manque de prière, du manque de vie de constance, d'intimité avec Dieu, manque de vie de jeûne, manque de vie de méditation. Alléluia. Le mot de prière, la Bible dit quoi? Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Oh yes, amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi continues-tu de dormir alors que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit sera fier de te voir ronfler chaque nuit, de te voir ronfler chaque jour, même en journée? Tu ronfles, la nuit tu continues, tu ronfles, toute ta vie c'est sommeil sur sommeil. Tu es déjà mort spirituellement. Tu viens à l'église, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais si l'enlèvement se passe, pour mourir à ton enlèvement. Alléluia. Je te le dis. Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages se lèvent tous les jours, comme le Seigneur Jésus-Christ avait sa rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Alléluia. Jésus avait une rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Parce que chaque jour, il nous a déjà donné l'exemple pour que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous ne prions pas. Alors que Jésus nous a donné l'exemple lui-même, il s'est très tôt le matin pour partir. Je vous le dis, mais aujourd'hui les chrétiens ne font pas ça. Pas de vie d'intimité. Mais tu vas passer ton temps à demander des choses à Dieu, demander des choses à Dieu, demander des choses à Dieu, demander des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, je veux. Oh! Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si tu ne lèves pas alors dans la vie de prière, dans une vie de prière, comment tu vas parvenir à arracher vraiment ce que l'ennemi t'avait volé? La Bible dit quoi? Il y a une chanson qui dit quoi? Nous allons dans le camp ennemi arracher ce que le diable a volé. Amen. Est-ce que tu vas arracher ça avec la bouche? Bon, est-ce que tu vas arracher ça comme ça? Simplement comme ça? Tu vas arracher ça avec quoi? En faisant quoi? En priant. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Comment tu vas arracher? En priant. Et si tu es un chrétien, paresseux. C'est très dangereux, je vous le dis, d'être un chrétien paresseux. Le prophète l'a mentionné tout à l'heure. Quand tu es un chrétien paresseux, c'est très dangereux. Je vous le dis, c'est très très dangereux même. La paresse, c'est un péché. Amen. Tu vas, si tu es un chrétien paresseux, tu vas prier que Seigneur délivre-moi la paresse. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi la paresse. Le Seigneur, tu n'aimes pas la paresse. C'est pourquoi il a dit que c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Alléluia. C'est ça. Tu n'aimes pas la paresse. Dieu lui-même était un travailleur. Un bon travailleur.
pourquoi nous chrétiens d'aujourd'hui nous sommes paresseux? Nous sommes paresseux dans tous les domaines. Monde professionnel, on est paresseux. Voyez, parfois la prière, on est paresseux. Même ce que maintenant nous disons que nous sommes vraiment enfants de Dieu, mais même notre propre prière, même ce qui est avec notre Dieu nous dépasse. Comment les gens du monde ne vont pas se moquer de nous? Parfois, je suis resté parfois comme je me dis, mais parfois certaines personnes ont souvent raison de dire allez travailler. Alléluia. Je vous le dis. Mais il faut quand même au moins que tu sois vraiment assis dans le nom de Dieu. Pour montrer quand même au païen, mais toi, tu ne fais rien de Dieu. Je vous le dis, ces résultats nous n'aiment pas la paresse. Nous devons nous l'aider. Nous devons nous l'aider. Nous devons nous lever dans la prière. Lever dans les jeunes. Lever dans la méditation. C'est lever dans l'évangélisation. Nous devons nous lever partout. C'est ça. C'est réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Mon frère, il faut que tu te réveilles. Parce que quand tu continues à dormir, c'est pour ta propre perte, c'est pour ta chute. Je te dis en vérité, tu vas venir tous les jours à l'église de l'Esprit te dira, enfin, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce que tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni tiède, ni quoi. Je te vomirai de ma bouche. Apocalypse. Amen. Je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas une simple résistance. C'est très profond. Parce que c'est un chrétien qui n'est ni chaud, ni tiède, ni froid, le Seigneur va te vomir. Programme de la soirée, tu ne viens pas. Quand on dit enseignement, tu n'es pas là, lundi. Quand on dit soirée de prière vendredi, tu ne viens pas. Quand on dit évangélisation, voilà, mercredi, tu ne viens pas. On ne te voit jamais, seulement les dimanches. Pour ceux qui sont occupés, le Seigneur le sait par le travail. Amen. Mais toi qui sais au fond de toi que tu as bel et bien le temps, mais tu ne viens pas, fais ça exprès et le Seigneur te connaît également. Nous devons faire très attention. Nous devons être des chrétiens zélés pour l'œuvre de Dieu. Pour que ta lampe soit toujours allumée, il faut être zélé pour l'œuvre de Dieu. Zélé dans la prière, zélé dans le jeûne, zélé dans la méditation. Sinon, ta lampe va bientôt s'éteindre. Et tu seras classé bientôt parmi les vierges femmes. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 5 à 6. Matthieu chapitre 25, verset 5 à 6, je le nomme Jésus. Amen. Comme l'époux d'Abel, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ses vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-lui de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Alléluia. Amen. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Et c'est la même chose qui se passe de nos jours. Comme Jésus-Christ tarde à venir, alors les chrétiens vont se laisser porter par le sommeil, par l'assoupissement. Et d'autres vont se poser des questions, mais depuis que j'attends, depuis qu'on dit que le Seigneur va venir, il ne vient pas. Ils vont se lancer dans toutes sortes de choses, lancer dans les commérages, alors qu'ils devraient en réalité, ils devraient se concentrer. Sur le Seigneur, Jésus dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'évangélisation, parce que la Bible dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Quand les poules attaquaient, tout a
commencé à s'assoupir. Et s'endormir, c'est ce que la Bible dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une surprise. Mon frère, le Seigneur va te surprendre. Fais attention. Ne dis pas forcément que les... Non. À côté de cela, tu peux mourir avant l'enlèvement. Alléluia. La mort peut te prendre avant l'enlèvement. Qui veut dire que les chrétiens ne meurent pas? Je te le dis en vérité. Quand tu continues à jouer là, la mort peut te surprendre. Beaucoup mettent dans le tête que non. On vient mis dans le tête que non l'enlèvement. Même si l'enlèvement ne vient pas, mais il faut aussi mettre dans ta tête que d'un moment à l'autre, tu peux partir. Amen. D'un moment à l'autre, tu peux partir. Mais c'est ce que beaucoup oublient. Mais si tu meurs maintenant, sans savoir mais de l'autre dans ta vie, quelle sera la fin de ta vie? Comme l'époux tardait, tout assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Or, pourquoi les lampes s'éteignent? Ils n'ont pas su. Alléluia. Pourquoi les lampes s'éteignent? Posez-vous la question. Il n'y a pas de huile dans les lampes, donnez-nous aussi un peu. Pourquoi? Tu n'as pas de vie de prière. C'est normal, ta lampe doit s'éteindre. Ta lampe doit s'éteindre parce que tu n'as pas de vie. C'est ça qui alimente. Tu comprends mon frère, ma soeur? Pour que ta lampe soit toujours allumée, c'est ta vie de prière qui alimente cette lampe. C'est ta vie de méditation, ta vie, en fait ta vie de prière. Tout ça qui alimente ta lampe et qui permet que ta lampe soit toujours allumée. Ta vie de chef de méditation, ta vie de prière, ta vie de mobilisation, le Dieu, ta vie d'intimité avec Dieu. C'est ça qui permet à ta lampe d'être toujours allumée. Et c'est ça qui permet également à ta robe d'être toujours sans tâche, irrépréhensible. Alléluia. C'est ça. Mais si tu fais comme ces vierges, femme, il va passer ton temps à ronfler. Comme moi, tu vois si le coup. Tu vas même pas te réveiller. Tu vas rester là-bas, couché. Mon frère, réveille-toi. L'heure est grave. Je vous le dis. L'heure est vraiment grave. Vous savez, je ne sais pas, le monde vraiment va si vite. Vous savez ce qui s'est passé, je sais aussi, vous avez vu les images de ce qui s'est passé même. Vous avez vu toutes sortes d'abominations qui s'est passées à l'Olympia. On appelle ça ces jeux olympiques ou quoi. Alléluia. Des choses terribles. Ça y est, les gens, les satanistes, les agents du diable ne se cachent plus. Et ils sont en train de faire tout pour hisser le diable très haut. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de ronfler dans leur sommeil. Ils sont en train de dormir. Les enfants des amis du diable sont en train de travailler. Vous avez vu les images la personne, pour la personne qui a vu. Comment il y avait des blasphèmes. Toutes sortes de blasphèmes. C'est soi-disant jeu olympique. Alors c'est le diable qui est caché derrière. D'ailleurs même, l'un des cavaliers de la Bible a été représenté. Le cavalier, le cheval assis sur le cavalier blanc. Le cavalier assis sur le cheval blanc. Oh, voyez une chose terrible et abominable. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, hey Seigneur. Et voyez comment les gens tapent même des gens, ils des commentaires. Comment quelqu'un dit ça pour vraiment, comment? Oh. Et les enfants de Dieu qui ont le discernement, rapidement ont détecté. Qui les commandants qui disent waouh, il y a les enfants de Dieu qui vraiment qui donnent pour moi. C'est les enfants de Dieu qui ont les enfants qui détecté. C'est ça. Voyez l'abomination que les gens célèbrent. Parce qu'on veut, le diable veut vraiment dominer ce monde. Il a même la dominé. Donc ça a atteint le haut niveau. Le cavalier assis sur le cheval blanc. On avait déjà parlé de ça ici. A été représenté hier aux Jeux Olympiques. Avec toutes sortes d'abominations, des moqueries contre le Seigneur Jésus-Christ. On a placé Jésus-Christ qui avait des apôtres. On a... Oh, je vous dis, ça fait quoi aux Jeux Olympiques? Ça a
quoi? Ça a quel rapport? Vous voyez comment le diable fait? Aucun rapport. Mais les gens sont venus placer ça juste pour se moquer de Dieu. Ça m'a fait mal. Vous êtes moqué de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le diable se cache plus. Ça n'a rien à voir avec les yeux de Jésus. Le diable a pris le contrôle de tout. Et les enfants de Dieu dorment. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est très, très, très dangereux. Lisons aussi dans le livre 2. Habakkuk 2, 1, 3. Habakkuk 2, 1, 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, je dis au nom de Jésus. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne marchera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. En fait, c'est du verset, du premier verset plutôt. Premier verset à 3. Du verset 1 à 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Amen. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Avant de se tenir sur la tour et veillez pour voir ce que l'Éternel va lui dire. Continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Et si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Voici ce que le Seigneur peut faire avec des chrétiens qui sont dans leur poste. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu es dans ton poste? Est-ce que tu es dans ton poste? Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans le poste. Comment tu peux te fâcher? Que non, pourquoi on ne m'aime? Mais si le Seigneur te met là-bas, tu ne vas pas faire comme le Seigneur veut. Ça, ça c'est à quoi tu te mets là-bas? Pourquoi tu as déserté de ton poste? Habakkuk, lui, s'est tenu à son poste et veillé pour voir ce que l'Éternel va lui dire. Et l'Éternel est venu à sa rencontre, comme le témoignage qu'il est venu également de vous donner tout à l'heure. Il est venu parler maintenant, écrit la prophétie. Aggrave-la sur les tables. C'est comme ça, si tu as une vie d'intimité de prière avec le Seigneur va commencer à te parler, à te révéler les choses cachées. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Amen. Mais pourquoi toi qui ne prie pas que la vie de vie d'intimité, comment tu vas t'attendre à ce que le Seigneur te révèle des choses cachées, des choses que tu ne connais pas? Comment? Si tu n'as pas une vie d'intimité avec lui, comment ça va se passer? Qui est ici de qui? Qui est ici de qui? Alléluia. Qui a commencé vraiment à prier? Attends le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Attends le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Il faut prier. Parmi ceux-là qui étaient les gens qui a commencé déjà à respirer les choses, tu peux soulever simplement ta main. Qui a commencé déjà à voir un changement. Attends le Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, il faut te lever dans la prière.
lève-toi dans la prière. Lisons Ephésiens 6, 18 à 19. Lève-toi dans la prière. Ephésiens, le Seigneur te dit, assez, c'est assez. Tu as assez promis. Oui. Ephésiens chapitre 6, verset 19. Je le nom de Jésus. Amen. Priez pour moi, afin qu'il m'en soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère. Ephésiens chapitre 6, verset 18, plutôt. À 19. À 18. À 19. C'est 18, à 19, oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Amen. Comme, oui, de l'évangile, sois béni. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Les prières de combat, les prières d'intercession, les prières de supplication. Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Va vers ton Père. Comment un enfant qui a un besoin ne vient jamais voir son Père? Est-ce que cela peut se passer ainsi? Tu as un besoin. Mais tu ne vois pas, tu ne viens jamais voir ton Père. Tu restes là tranquille, tu caches. Tu as peut-être, tu as quelque chose. Tu veux devant ton Père, de te l'argent, pour faire, mais tu ne dis jamais à ton Père. Ou alors tu as un projet à faire, tu ne dis jamais à ton Père, tu restes là. Tu fermes ta bouche. Qu'est-ce que cela peut se faire? Va avec ton Père, dis papa, voilà, cause avec ton Père. Le Seigneur Jésus-Christ est comme notre Père. Il est notre Père. Par contre, notre Père. Et nous devons aller vers lui, causer avec lui. C'est ça. Quand tu fais une rencontre dynamique, continue avec Dieu. Tu as envie de causer avec ton Père. Tu causes avec Dieu. Et vous parlez de tout. C'est ça. Il faut causer avec ton Père. Tu causes avec ton Père biologique. Mais pourquoi les fils, tu causes avec ton Père spirituel, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Il faut causer avec ton Père. Afin que le Père lui-même te révèle certaines choses que mon fils, voilà. Voilà les secrets, mon fils. Voilà les secrets. Voilà ce que tu vas faire. Voilà, 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 voilà. Mais si toi tu restes là, tu te la manges simplement. Comment le Père, ton Père va savoir que tu as des problèmes, même ton Père biologique. Il va savoir comment que tu as des problèmes. Parce que tu ne lui dis rien. Tu es là, tu fermes ta bouche. Et tu restes tranquille, tu gardes le silence. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et vous devez aussi prier pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de Dieu et de l'Évangile. Alléluia. Vous devez aussi prier pour les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul dit, priez aussi pour moi, afin qu'un jour ma bouche. Alléluia. Tu as aussi prié pour l'homme de Dieu, afin que si le grand homme de Dieu vraiment, que le Seigneur le remplisse, que le Seigneur vraiment fait celui que le Seigneur doit vraiment devenir dans la sécurité, que le Seigneur ne permet pas que l'homme de Dieu tombe. Alléluia. Voilà, de la même manière que nous prions pour vous, vous devez aussi prier pour nous. C'est comme ça. Amen. Afin que les hommes de Dieu ne tombent pas. Voilà, mon frère, ma soeur. Et pendant que tu seras en train de le faire, le Seigneur va s'en occuper de tes problèmes, de tes besoins. Parce que toi, tu passes ton temps à prier pour les autres. Le Seigneur s'en charge également de tes problèmes. Yes. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Nous devons vraiment nous lever. Lisons dans le livre de Luc 21, 36 à 38. Chapitre 21, verset 35 à 38, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant un jour, Jésus enseigna dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Ensuite, Amen. Amen. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Nous devons veiller et prier pour échapper à tout ce qui arrive, à tout ce qui arrive, les calamités qui viendront, les persécutions. Parce que je ne prie pas, mon frère, ma soeur. Comment tu vas échapper à toutes ces choses qui viendront? Comment tu vas échapper? Pendant le jour, Jésus a enseigné dans le temple et allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers, comme je venais de vous dire. Et tout le peuple, dès le matin, s'est rendu vers lui dans le temple pour l'écouter. Alléluia! Parce qu'il allait se charger maintenant, venir donc maintenant donner. Alléluia! Recevoir et venir donner au peuple de Dieu. Nous, c'est pourquoi c'est très important de prier également pour nous. Alléluia! Priez pour nous! Priez pour nous! Beaucoup même. Je vous raconte un témoignage. Je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage. Arrivé au ciel, il y avait un homme de Dieu qui priait. Un homme de Dieu vraiment qui faisait des choses extraordinaires. Qui opérait beaucoup de choses, des miracles, des prodiges. Arrivé au ciel, on lui a dit, voilà ta maison. L'homme de Dieu a dit, mais voilà ta maison et voici la maison de ta servante, ta prédiche. L'homme de Dieu a dit, mais vous vous trompez, c'est pas ma maison, c'est plutôt l'autre celle-là. Alléluia, c'est plutôt celle-là. C'était une très belle maison, très jolie maison. Mais Jésus-Christ lui a dit, non, c'est pas ta maison, c'est pour la femme. Mais en fait, tout ce que tu faisais, les miracles, tout ce que la puissance, c'est la femme, c'est à cause de cette femme-là. Elle intercédait chaque jour pour toi, pour l'homme de Dieu. Amen. C'est sa maison, pas ta maison là-bas. Vous voyez, il y a des gens qui, tu dois faire des choses en secret, en cachette, mais les gens ne voient pas, les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Alléluia. Il faut prier. Tu n'as pas besoin de faire comme de frapper, que non, je prie pour tel, je prie pour tel. Tu n'as pas besoin de monter ça. Alléluia. Prie dans le secret. Tout ce que tu dois faire dans l'unité et dans le secret. Et tu auras les grandes récompenses au ciel. Voilà. Cette femme a vu très grandes récompenses au ciel. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit, non, ça c'est pas c'est sa maison. Alors que c'était la maison de la femme. La femme qui était la seule personne, peut-être même on ne la voyait même pas. Vous voyez, la prière. Elle priait pour l'homme de Dieu. Il y a une puissance derrière la prière. Si tu n'as pas la même vie de prière, à partir d'aujourd'hui même, lève-toi et commence à prier. Alléluia. Lève-toi et commence à prier. Et tu verras des grands changements dans ta vie. Lisons dans le livre de Proverbes chapitre 6, versets 9 à 11. Proverbes 9, 6, 11. Proverbes chapitre 9, versets 6 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Quittez la stupidité et vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le bon cœur s'attire le pécheur. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le bon cœur, de crainte qu'il ne te haine. Reprends le sage et il t'aimera. Donne le sage et il deviendra plus sage. Qu'est-ce que c'est ça? Proverbe 6, 9 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11, le nom de Jésus. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour les dormir, et la pauvreté te surprendra. Amen. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Le Seigneur s'adresse à toi. Paresseux, je vous dis, ce que vous avez dit tout à l'heure, que le Seigneur n'aime pas paresseux. Qui dit paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand? C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Tout cela, on vous a dit ça tout à l'heure. Avant même qu'on commence l'enseignement. Ceux qui croisent les mains ne veulent rien, même pas travailler. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un. Non, en âme. Est-ce que tu comprends ce verset? Note bien ce verset. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11. Paresseux jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Resteras-tu couché? Jusqu'à quand? Continueras-tu? Tu as dormi? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est pas le sommeil. C'est pas le sommeil. Réveillons-nous, 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 réveillons-nous en fait le sommeil. Un chrétien qui prie, était chrétien, vraiment, je ne sais pas. Était chrétien prudent. Alléluia. Était chrétien prudent, un chrétien rempli de révélation. Alléluia. Un chrétien rempli. En fait, le Seigneur va te communiquer tous les secrets. Le Seigneur va te les cacher. Alléluia. Un chrétien qui a une vie de prière. Le Seigneur lui révèle les choses cachées. Gloire à Jésus. Je te dis en mettant bêté. Le Seigneur va te révéler les choses cachées. S'il y a un danger demain là, tu vois, c'est un peu. Tu vois, s'il y a un danger devant toi, le Seigneur va te dire ça. Fais attention, il y a un danger devant toi là-bas qui t'attend demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va te révéler tout cela. Je vais vous donner un bref témoignage. Alléluia. Et on peut bien donner un bref témoignage. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Jésus. J'étais en train de rouler sur la moto. Alléluia. Je roulais sur la moto, je roulais. J'avais regardé. J'avais un client derrière moi. Alléluia. Beaucoup ne savent pas que je fais la moto. Mais je fais la moto. Alléluia. J'avais un client derrière moi. Gloire à Jésus. Vous connaissez et vous savez vraiment. Vous connaissez notre pays. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe. Vous avez entendu parler déjà de la mairie? Est-ce que vous avez parlé déjà de la voirie ou de la mairie? Alléluia. Quand tu entends ces mots, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. En fait, moi, je vous ai dit, moi j'avais donné l'argent, j'avais donné 50 000 pour qu'on me fasse pour les papiers et on a mangé l'argent. Alléluia. J'ai donné qu'on me fasse des papiers, 50 000, on a mangé l'argent jusqu'aujourd'hui. Quand j'appelle la personne dit, oh, me tourner comme ça, me tourner comme ça. Fini, on a mangé l'argent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je suis resté comme ça. J'ai dit, bon, je ne peux pas aussi dire que je vais aller le porter plainte. Parce que je suis enfant de Dieu. Si je le fais, est-ce que je suis encore même enfant de Dieu? Non, c'est que je suis Jésus. Je suis resté comme ça, j'ai réfléchi. J'ai dit que si je fais ça, c'est pas mauvais. Mais je ne peux pas quand même me salir à ce niveau. Alléluia. Je ne peux pas m'arrêter à ce niveau. Il faut qu'il reste avec. Même si la fête, ça n'y a pas de problème. Alléluia. J'ai laissé tomber. Gloire à Jésus. Quel pourri commence à dire non, je vais porter plainte, non. Non. J'ai dit que non, ça va, je laisse. J'ai laissé. Et maintenant, vous savez que même les gens de la mairie, même si tu as tous les papiers, ils vont chercher toujours à te clignoter. Alléluia. Ils vont chercher toujours à te crier.
En fait, le problème c'est quoi? Tu comprends? Le problème c'est l'argent. Alléluia. Diversement l'argent. Donc, ça c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché. Je suis en train de rouler. Maintenant, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu sais que c'est comme ça, compliqué comme ça, tu dois juste te diviser. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la prudence. Tu vas juste éviter là où ils sont. Simplement. Tu vas éviter juste simplement. N'est pas parti là, rien reste. Mais vous savez parfois, c'est pourquoi il faut vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Le client était derrière moi. Je suis allé accompagner le client. Maintenant, je suis allé. Je savais très bien l'endroit où je suis en train de partir. Et je savais très bien que parfois il restait là-bas et parfois il ne restait pas là-bas. Alléluia. Je suis donc allé. Regardez. Je suis allé. Avec le client. Maintenant, arrivé en route. Chose que vraiment la moto n'a jamais fait ça. Alléluia. Ma moto s'est soulevée. La tête s'est soulevée. Mais je n'ai pas compris comment la moto se soulève. Alléluia. Et quand la moto s'est soulevée, c'est juste pour nous renverser. Et ça ne nous a pas fait du mal. Le client a juste mis son pied comme ça. Et moi, je me suis incliné. La moto est tombée dessus. Après ça, j'ai soulevé encore le bidon. Ça nous a renversé de manière légère. Amen. Je me suis dit, mais pourquoi la moto, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? La moto s'est soulevée, je comprends, j'ai dit au client, mais je ne comprends pas comment ça s'est passé. Le client a dit que non, sûrement tu as laissé l'embrayage. Il fallait peut-être tu as laissé. C'est pourquoi ça a peut-être. J'ai dit que non, je ne me rappelle pas si j'ai laissé ça. Vraiment, je n'ai en fait, rien compris. Même une pensée venue dans mon cœur que, attention, là où tu parles, ils sont là-bas. On va arrêter ta moto. Alléluia. Et quand les gens l'attendaient, c'est 10 000. Si c'est petit, c'est 15 000, 20 000. C'est ça. Alléluia. Maintenant, j'ai entendu cette voix dans mon cœur que non, ne pars pas là-bas. Maintenant, vous savez, l'homme est toujours, il y a aussi un côté de tétitesse. Alléluia. J'ai dit que mais, le client était chaud. Il a au lieu que c'est lui-même qui me dit que non, je ne peux pas monter sur sa moto parce que vraiment, toi là-dessus, je m'attendais à ça, mais lui, au côté, il était vraiment concentré. Allons, allons, mon frère, allons. C'est là où j'ai dit, mais le type si, le client si, au côté, il veut me dire, mais je ne monte plus sur sa moto parce qu'il m'a renversé. Je sais, ma suppli, il me pousse à partir. C'est là où je comprends qu'il y a danger devant. Ça, c'est l'ennemi qui veut vraiment, qui m'attend là-bas devant. Alléluia. Après, je suis parti. J'ai démarré la moto, nous sommes partis. Arrivé quelque part, la moto fait seulement. La moto n'est pas plus. La moto n'est pas plus. Mais j'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Maintenant, tu nous as renversé. Maintenant, c'est un problème. Il y a quoi? Maintenant, tu t'arrêtes seul. La moto s'arrête seule. Qu'est-ce qui se passe? Le client est maintenant descendu. Il a dit vraiment, mon frère, franchement, je vois que tu ne peux plus marcher. Hein. Alléluia! Franchement, je vois que ça ne peut plus marcher. Hein. Il m'a quand même donné un peu. Bon, comme je ne suis pas arrivé, il m'a quand même donné quand même ça. Alléluia! J'ai dit, ok, mon frère, merci. Je suis retourné. Regardez ce que le Seigneur va faire. Quand j'ai démarré la moto, la moto a démarré une seule fois. Et sans problème, j'ai commencé à travailler sans problème pour la moto, mais c'est même plus jamais arrêté. J'ai dit que waouh! Et maintenant, quand je pars carré là-bas, là où on garde, mon collègue vient. J'ai dit que mais j'étais à Valais, tout à l'heure, je voulais aller à Valais là. Vraiment, la moto m'a fait ceci, ceci. Il m'a dit que, hey, ils sont là-bas à Valais, hein? Si tu montes là, ils sont là. Tu connais la colline, non? Quand tu montes là, je vais t'attraper une fois. Ils sont là-bas. J'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à le Seigneur. J'ai un continu, en train de partir. Alléluia. Oh, j'ai foutu. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur est vraiment mes vieux. Et vous voyez ce qui est venu dans ma tête. Vous savez, ce qui est venu dans ma tête, c'est Balaam. Balaam, c'est Balaam. Alléluia. Comment le Seigneur a tout fait pour eux à l'âme. Donc l'âme fait comme ça, le fait, va. Donc, c'est venu directement dans ma tête. Là. Tu voulais forcer, tu as parlé, mais tu n'as pas écouté. L'âme a dit,
ni l'instant suis-je ton chéri l'un de tous les jours que tu manques. Mais pourquoi? Alléluia. C'est parce que l'âme avait vu l'ange. L'ange ne voulait pas. C'est pourquoi l'âme voulait tout détourner. Donc, il ne comprenait pas. Il tape ton cœur à taper. Jusqu'à ce que le cheval a ouvert sa bouche et commence à lui parler. Alléluia. Je voulais peut-être que la moto ouvre sa bouche aussi commence à lui parler. Attends encore le Seigneur Jésus. Attends le Seigneur Jésus. Notre Seigneur est présent pour ça. Alléluia. Attends le mon frère, il est présent pour Dieu. Il est vraiment merveilleux. Je vous le dis. Je vous le dis. Restez seulement en contact avec ton Seigneur. Alléluia. En intimité avec Dieu. Et il va te révéler toutes les choses cachées. Alléluia. Amen. Je te dis, quand tu vas marcher là, quand tu es un chrétien qui a une vie d'intimité, de prière avec le Seigneur, à chaque fois que tu poses, le Seigneur te dit, oh, il y a un danger. Il y a un danger. Alléluia. Il t'a averti de tout. Il t'a averti de tout. Je veux dire, mais t'as averti. C'est tout. Sans compter même un autre témoignage encore. Je suis avec ma femme. On était chez mon oncle paternel. On était en train de rentrer. Les gens sont les policiers avec les gendarmes en train de faire les rafles parce que c'est dans notre quartier. Nous sommes en train de venir. Il faisait des rafles à rafler les personnes. Rafler les gens. Même si tu marches à pied là, il te rafle. Alléluia. Mais c'était parce que la moto, il te rafle. J'étais en train de venir avec ma femme. Couillant. On voit la pick-up des policiers. On voit maintenant comment ils sont partis. Je dis à ma femme, mais pourquoi les policiers sont partis comme ça? C'est là que je dis, hey, ça c'est le rafle. Hein. Mais ça, c'est le rafle que je vois là. Maintenant, je suis resté comme ça. Quelque chose m'a dit. En fait, j'ai failli, vous savez, la chair. La chair, n'écoutez pas la chair. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. La chair me dit, rentrez en arrière, contournez, rentrez en arrière. Donc, en fait, j'ai commencé à voir, c'est comme si la peur a commencé à me saisir. Je voulais dire à ma femme, vraiment, rentrons, on va nous arrêter. Après, c'est monté dans mon cœur comme ça. Et j'ai compris que non, la voix, c'est pas une bonne voix. Amen. Et j'ai étouffé cette voix. J'ai dit, Seigneur, c'est mon Seigneur Jésus-Christ avec moi. Je ne veux pas. Allons. Donc j'ai dit, tout ça j'ai dit à ma femme, j'ai causé avec cette personne dans mon cœur comme ça. J'ai dit, je pars. Donc on a continué à marcher. Donc on voit les policiers comme ça. Les gens sont dans le plein dans le pick-up, remplis. Maintenant, ils ont même interpellé un jeune homme là. Mais à notre surprise, nous sommes passés au milieu des policiers. Ils nous regardent comme ça. Personne ne nous dit un mot. Personne ne nous dit un mot. Personne ne nous a dit. Oh mon frère, personne ne nous a dit un mot. J'étais dépassé. Après, mais quand on a travaillé, j'ai commencé à dire à ma femme m'a dit, mais pourquoi ils ne nous ont pas interpellés? Moi-même, je suis étonné. Pourtant, ils ont interpellé les autres, mais nous, je ne sais pas. Mais j'ai dit que ça, c'est la puissance de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je te dis que tu vas passer, le Seigneur va me fermer les yeux. Alléluia. Tu dis que le Seigneur est puissant et tellement merveilleux. Un enfant de Dieu vraiment qui fait le Seigneur Jésus. Et il est vraiment protégé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui. Et ma femme n'avait pas de carte. C'était dangereux, c'était grave. Ma femme n'avait pas de carte. Si vraiment, je vous le dis, elle partait. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Oh, c'est vraiment merveilleux. Elle n'avait pas de cas, c'est moi seul. Elle partait. Elle est comme de la maison. Les gens là, ils ne savent pas si tu es femme ou homme, ils ne savent même pas. Même si tu es une femme, ils vont te prendre. Je vous le dis. Ils vont te prendre. Oui. Donc, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Le témoignage, c'est pour vraiment encore renforcer ce que nous sommes en train de dire, renforcer notre foi davantage. Oui. Parce que déjà, on avait déjà vécu ce genre de problème encore avec ma femme. Nous sommes sortis de la cité un lundi, enseignement. Quand on a fini l'enseignement, ici, je me rappelle, on sortait de l'enseignement. On était en train de rentrer, arriver au niveau de carrière là-bas.
on va stopper notre taxi. Stopper notre taxi. Jésus est passé, il meurt. Ma femme n'a pas de carte. Toujours elle. Elle n'a pas. Bon, elle a la carte, mais c'est à la maison, toujours, c'est à la maison. Mais elle n'est pas à la maison. Amen. C'est moi seul qui avait la carte. Moi, je croyais que ils vont penser que c'est une femme. À cause peut-être de moi, comme je suis son mari, bon, j'ai la carte, ça va. Mais je vous dis que vraiment, les liens sont vraiment méchants, mon père. Ils n'ont même pas géré que c'est une femme. Descends, va rester là-bas. J'ai dit, waouh, ça m'a touché. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Hein? Même jusqu'à ce que, quand j'ai pris le taxi pour rentrer, pour aller chercher sa carte, c'était, quand j'ai expliqué, c'était, on me dit, mais la femme, mais comment tu es avec ta femme montée? Parce que moi, j'ai devenu ce pays, c'est Cameroun. Donc les gens disaient, les gens vraiment étaient fâchés. Ça les a fait mal quand je les ai dit ça. Vous comprenez? Elle est restée, je vous dis. Les policiers ont dit qu'elle ne bougeait pas. Maintenant, quand je suis parti, ma femme, après, m'a dit que les policiers, un policier l'a dit que vraiment, lui, là, son mari, oui, vraiment, il fait comme s'il est nouveau là, il ne connaît pas le pays. Hein. Vraiment, je ne sais pas. Il fait comme s'il est nouveau dans ce pays. Vous voyez, vous comprenez le langage là. Donc, voilà. C'est pour que je parle avec mon équipe. Voilà mon équipe. Oh. J'ai dit que je ne veux pas. Je suis un enfant de justice et fait ça. C'est la corruption. Amen. Je suis allé à la maison chercher la carte et revenu les donner sa carte. Ils ont regardé. Ok, c'est bon. Vous pouvez partir. Nous sommes à côté. Je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Tout ça, la corruption a un niveau élevé. Donc, c'est pour nous dire que quoi, vraiment, quand tu es enfant de Dieu, même si tu traverses quelle situation, le Seigneur va vraiment. Alléluia. Si tu pries vraiment, si tu te mets sérieusement dans la prière, le Seigneur va te faire sortir beaucoup de situations. Il va même changer vraiment ta situation. Alléluia. Il va changer vraiment ta situation. Oui. Je vous le dis, il y a des témoignages. Et vous, je vous le dis en vérité, le monde des ténèbres est vraiment très 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 compliqué. Quand je prêchais ici lundi, je disais que il faut vraiment prier pour voir comment ça la prière, toi qui ne priais pas. Ou alors toi qui ne priais pas assez. Continue d'exister dans la prière. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Oui. Parfois, moi et ma femme, on était là. Quand on est à la maison, on voit, je vois souvent des choses de. Parfois, les cafards, vous voyez souvent certains des cafards. Amen. Mais, c'est, j'ai compris que ce qui dit souvent qu'il y a des cafards, mais c'est la vérité. Moi, je me disais que vraiment, peut-être c'est pas vrai, mais c'est la vérité. Alléluia. Donc parfois, on était dans la maison comme ça, parfois on est dans la maison comme ça, on voit les cafards commencent à sauter, à sauter des temps sur nous. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Et c'est simple. Tu dis, ah, peut-être c'est simple, c'est naturel peut-être. Ma femme dit, ça c'est simple ça. Après ça, on voit peut-être les choses marchent sur le toit là, commencent à courir sur les plafonds. Je vous l'ai dit, quand on s'est élevé maintenant contre eux, que tout cafard. Si c'est des cafards mystiques, Seigneur, éradiquez, consumez pas ton feu. On a commencé feu la prière, dans la prière, on a commencé, vers les petites 2 heures comme ça. On a commencé à détruire toutes sortes de fourmis mystiques, moustiques mystiques, cafards mystiques, toutes ces choses animales mystiques. Donc, tout ce qui est animal est mystique, qu'elle est mis en foi pour nous perturber, pour nous déranger. On a commencé à les avoir du feu. Alléluia. Le matin, quand ma femme se réveille, elle voit les cafards alignés morts dans les douches. Attends le Seigneur Jésus. Les cafards alignés morts. J'ai commencé à compter les cafards seulement 1, 2, 3, 4. Les cafards étaient alignés comme ça. On ne sait pas qui les a tués. C'est quoi? Le feu. Attends le Seigneur Jésus-Christ.
acclame le Seigneur Jésus. Je vous dis que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Imaginez que si on était resté comme ça, croisé les bras. Qu'est-ce qui allait se passer? Maintenant, ce qui court dans les toits, là, c'est fini, ça s'est arrêté. Je vous dis la vérité. Ça s'est arrêté. Et ces choses-là commençaient net. Souvent, quand on commence à prier, commence à nous déranger, comme ça, à nous perturber. Maintenant, vite, Seigneur, on s'est levé. On a commencé à les détruire. Maintenant, tout est calme. Tout est calme. Et tu sens que vraiment, toi-même, tu vas sentir en toi que vraiment, tu n'es plus la même et tu n'es plus le même. Alléluia. Donc, mon frère, je te conseille vraiment de te lever. Lève-toi. Que ce soit un serpent mystique dans ta vie, tu vas voir comment le Seigneur va te capsuler cela et va te montrer ça clairement. Que l'homme fort de ta vie a été renversé. Amen. Il va te montrer cela. L'homme fort de ta vie a été renversé. Lisons dans 1 Roi chapitre 3, verset 20. Nous sommes déjà presque à la fin. Rois chapitre 3, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein. Chapitre 20. Je le lis au nom de Jésus. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Amen. Le matin, je me suis levé pour arrêter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Oh! Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante faisait quoi? Dormait. Vous avez suivi cette histoire? Comment il y a un changement d'enfant? Changement de bébé? Est-ce que vous avez suivi ça? Ah, l'autre a volé pendant que l'autre a volé le bébé et venu mettre son bébé qui était mort. Alléluia! Qui les avait, qui était juge, qui avait tranché? Le roi Salomon, la sagesse, c'est ça. C'est pourquoi la sagesse du roi Salomon était vraiment. Donc ça a rendu populaire, très populaire le roi Salomon. À cause de ce que le Seigneur a fait avec Salomon. Alléluia. Que c'est lui vraiment. Le Seigneur a dit, Salomon a dit, il va couper ça. Alléluia, diviser. Alléluia. Donc, comme tu dis que c'est ton fils, l'autre dit que c'est son bébé. Donc, ok, donnez-moi, je vais. Alléluia. Et l'autre a dit, non, ne fais pas ça. La mère du bébé a dit, non, ça va, laisse. Donne-la. Et Salomon a compris, il ne va pas le Saint-Esprit qui se sont. Prends ton bébé, acclame le Seigneur Jésus. Prends ton bébé. Vous voyez, oh, je vous ai dit que tout se passe dans la nuit. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi veille et s'aimait de l'hiver. Et pendant qu'elle dormait, vous voyez donc beaucoup de choses se passent dans la nuit. La nuit, les réunions de francs-maçonnerie, les réunions de roses et quoi. Des choses que l'ennemi a pris des prononcements contre toi dans ta vie. Tout, beaucoup de choses se passent dans la nuit. Je vous le dis, la nuit, c'est pourquoi quand un chrétien prie dans la nuit, un chrétien prie sérieusement dans la nuit, ce chrétien est vraiment recherché. Donc, recherche. Donc, c'est affiché, recherche. Dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis. On va mettre les charges à cause de toi. Parce que tu ne dors pas. Tu passes ton temps à déranger les francs-maçons. Tu passes ton temps à déranger les russes chrétiens. Déranger les sorcelleries, nous les sorcelleries dans ton quartier. Tu es là tout le temps dans la nuit. Déranger. Amen. Oh, je vous dis. Nous sommes allés. Ma femme et moi, nous sommes allés. Il y a notre voisine, sa soeur était dans notre quartier, juste un peu éloigné. Elle est venue, elle a dit que sa soeur était tombée malade. Sa soeur est tombée malade, elle est venue. Elle a dit, pasteur, vraiment, je vais tourner. Comme dans le quartier, on m'appelle souvent pasteur, tout le monde me connaît. Pasteur, même mes collègues. Alléluia. Maintenant, elle est venue. Elle a dit, pasteur, vraiment, je veux, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, ok, je t'écoute.
Elle me dit, ma soeur est vraiment malade. Et je suis resté comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Une pensée est venue dans ma tête, que mais il n'y a pas ce là-bas. Donc c'est pourquoi je suis venu te voir. Alléluia. Elle est venue dans mes voies. J'ai dit que ok, c'est déjà l'heure de venir à l'enseignement. Elle est dit. J'ai dit que je ne peux pas. Attends, tu me dis bien comme ça, bien pour partir. Elle dit, comment elle vient? J'ai dit, est-ce que vraiment je dois aller à l'église? Quelqu'un me dit, non, va d'abord. C'est ça le plus important. Laisse d'abord l'église, va avec elle. Alléluia. Jésus d'abord, allez avec elle, j'ai laissé. Et comme si j'arrive à arrêter à l'église, il n'y a pas de souci. Amen. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons faire. Alléluia. Tu ne peux pas laisser comme ça un païen qui te demande d'être comme ça. Tu le laisses, tu ne dis pas à l'église, même Dieu n'est pas content de toi. Amen. J'ai laissé d'abord. Je suis allé avec elle. Maintenant, nous sommes arrivés là-bas. On a commencé. J'ai commencé. Et je vais donner sa vie à Jésus. Qui veut assécuriser le tableau, j'ai commencé à venir prêcher la bonne évangile. Prêcher la sainte doctrine. Maintenant, ils ont été touchés. Et comme on commence à donner, même jusqu'aux enfants, j'ai donné aussi ma vie à Jésus. Oh, je veux aussi donner ma vie à Jésus. Donc, les enfants ont donné, donc ils ont donné leur vie à Jésus. Même les femmes, sa soeur et elle également ont donné leur vie à Jésus. Je les ai conduits à confesser Christ. Maintenant, dès qu'on a fini, on a commencé à entendre maintenant avec la prière. Elle m'a dit qu'elle m'a raconté ses visions qu'elle a eues. Comment sa bailleresse est venue avec un homme. Qu'est-ce voilà, c'est elle pour la tuer. Vient avec les gens, voilà, nous sommes. Donc elle a mis les gens. Elle vient que voilà, la doctrine, voilà, c'est elle. Donc elle finit avec elle, l'esprit du monde. Finit avec elle. Donc elle était comme ça, elle tremblait comme ça là. Avant que sa soeur ne vienne nous voir, c'est ce que sa soeur nous a dit. Et elle tremblait, elle était vraiment. Vraiment, c'était vraiment critique sa situation. Maintenant, quand nous avons commencé à prier, elle a commencé maintenant à s'agiter. Elle a commencé à s'agiter comme ça, elle a commencé comme ça. Elle a pas vu le lit comme ça là. Quand on a commencé à prier, maintenant, on a fini. Elle s'est levée. Elle a dit vraiment, elle se sent déjà bien. On a dit gloire à Jésus. Donc, on les a beaucoup conseillés que vraiment, donc tenir véritablement le vie au Seigneur Jésus et abandonner la vie du péché. Amen. Oui. Et maintenant, écoutez-moi bien. Quand elle est restée à prier, c'est bon maintenant, elle marche déjà. Maintenant, il y a un problème maintenant. Ce qui est sérieux, ce qui est vraiment étonnant, c'est que sa voisine qui vient dans la vision avec les gens, lui ont dit que je ne veux plus jamais voir ces gens-là ici. Qui les a venus pour voir? La prière qui ne fait plus, je ne veux plus jamais les voir ici. Vous avez compris? Je ne veux plus jamais les voir ici chez moi. Donc, on a compris directement. Et maintenant, ce n'est pas fini. Elle a dit qu'elle libère ma maison. Maintenant, elle a fait chercher une maison à cause de nous. Vous avez compris ça? Elle a dans quelques jours, elle va libérer. Elle m'a demandé, j'ai trouvé des chambres là-bas parce que. Il y a trois chambres, elle a dit ok, elle va aller là-bas. Elle va demander aller là-bas. Restez là. Vous comprenez? À cause de notre présence, voilà que elle a fini par chasser cette femme de chez elle. Parce que vous voyez le monde éternel. Même pas ça. Et cette femme est catholique dans tout ça. Elle va à l'église tous les jours. Catholique, fervente. Vous voyez? Et c'est elle qui fait ça. Comment tu es chrétien? Tu chasses les chrétiens. Vous comprenez maintenant? C'est ça. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve. Toi qui es là, vous dites que moi je suis catholique. Non, ça ne sert à rien. Tu n'as pas Christ. Alléluia. Il faut avoir Christ, il faut accepter Christ. Ce n'est pas la religion. Donc, la femme, est-ce qu'elle est bien? C'est que la femme, elle nous a dit, sa soeur, elle, que. Vraiment, c'est le transport qui les manque. Quand elles auront vraiment le transport, elles vont venir voir notre assemblée là. C'est ça qui nous a empêchés. Elles vont venir voir là où nous persévère. Parce que ça les a vraiment touchés. Vraiment, mes frères et sœurs, nous devons vraiment nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons vraiment nous lever. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous. Même les sorciers là vont nous fuir seuls. Ça ne connaît pas. Alléluia. Je vous le dis, quand tu marches là, tous les francs-maçons de Jésus savent que voilà un enfant de Dieu. C'est ça qui devient un danger. Il met partout recherche. Donc,
C'est ça, mon frère et soeur. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8. Chapitre 5, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'esprit du salut. Amen. Amen. Alléluia. Soyons sombres. Alléluia. Nous qui sommes du jour, ayant revêtu le casque du salut et la cuirasse de la justice. Soyons sombres, mes frères, je vous le répète, soyons sombres et veillons. Je vous le dis, parce que dans ce monde ici, surtout en cette temps de l'affaire là, nous devons vraiment nous lever. Alléluia. Nous lever dans l'œuvre de Dieu. Nous devons vraiment nous lever dans la prière. Nous devons nous lever. Je vous dis, mon frère, ma soeur, expérimente seulement cela. Donc dis à ta chair, ma chair, tu m'as longtemps menacé. C'est assez. Maintenant, je vais me lever. Alléluia. Tu vas faire des témoignages, tu seras étonné. Tu vas voir des choses extraordinaires. Gloire à Jésus. Nous allons lire aussi dans le livre de Luc 22, 46. Chapitre 22, verset 46, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Amen. Quand un chrétien ne prie pas, c'est facile de nager dans le péché, je vous le dis en vérité. Alléluia. C'est facile, mais quand tu pries, mon frère, quand tu vois le péché dans ton cœur, tu es attristé et tu es gêné. Mais pourtant, ce n'est pas le cas avec un chrétien qui ne prie pas pour lui. Quand il voit le péché, il voit tendance à convoiter facilement. À convoiter rapidement, facilement le péché. Mais pour toi qui prie là, au contraire, ça t'irrite. C'est ça. Prions afin que nous ne tombions pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lève-toi dans la prière. Que ce soit une maladie. Alléluia. Lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Prie que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. La prière, c'est quelque chose. Encore un petit témoignage. Nous étions en train de prier. Alléluia. J'étais en train de prier avec mon épouse. Mon épouse a commencé à ressentir quelque chose. C'est comme si quelque chose marchait dans son corps. Amen. Comme si quelque chose marchait dans son corps. À l'instant même, quand on a commencé à prier pour cette chose, parce qu'elle était même déjà, elle était vraiment dépassée. Elle se disait, mais pourquoi tout le temps, les jours des maladies, tout le temps, c'est quoi? Maintenant, j'ai dit que non, il faut qu'on prie. J'ai mis ma main, on a commencé à prier. Sur place, ça a disparu. Acclame le Seigneur Jésus. Sur place, ça a disparu. Et elle m'a dit que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus rien ressenti. C'est vrai qu'elle marchait, c'est bien. Elle n'a plus rien ressenti. Alléluia. Voilà les vrais fruits de prière. Donc, il faut vraiment prier. Quand tu pries, oh, tu es un peu vieux, tu es enflammé. Tu n'as même pas besoin de te poser des questions, que non. La maladie, non. Parfois même, je lui dis que même, quand je vois parfois certains médicaments qu'on multiplie, prends ceci, tu vas te retrouver en train de boire tous les médicaments des un an ou deux mois. Oh, parfois ça me fatigue. J'ai dit, mais ça c'est quel bizarre. Et pourtant nous sommes enfants de Dieu. Vie de médicaments. Enfants de Dieu. Oh. Alléluia. Je vous dis, mon frère, parfois il faut te lever. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, mon frère, ma soeur, le diable va te malasser, te mater dans la boue comme ça, juste comme il veut et quand il veut.
Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent à certaines personnes que même, en fait, comme chacun est différent. Alléluia. Mais moi, selon moi, alléluia. Mais moi, j'ai dit à Dieu que moi, les affaires, de dire que non, médicaments, parfois ma femme est étonnée. Quand je suis malade, là, je sais que moi, je suis enfant de Dieu, maladie, c'est quoi? Alléluia. Maladie, c'est quoi pour moi? Quand elle me dit parfois, je dis que je dis non. Après ça, je suis déjà debout. Ça ne prend même pas 3 jours, 4 jours. Donc, vous comprenez, ça dépend de la foi de chacun. Alléluia. C'est pour vous dire quoi, le Seigneur est fort personne. Amen. Ça dépend de la foi de chacun. Mais, en réalité, un enfant de Dieu ne peut pas laisser sa vie, peut-être. Tu tombes malade, ce qui vient en premier lieu dans ta tête, c'est médicament, hôpital. C'est ça qui est dangereux. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça. Regardez les apôtres. Regardez les disciples. Tu n'es pas couché, non, tout le temps. Mais, c'est la vie des prières qui va faire qu'aucune maladie ne résiste dans ton corps. Est-ce que tu es d'accord de ce que je dis? Attends le Seigneur Jésus. Je vous dis, c'est pas que non, je ne tombe pas malade. Moi qui vous parle parfois, je vous dis, parfois il y a des moments où je ressens des choses de Satan. Comme si des choses dans mon cœur, je ressens. Du coup, parfois je ressens comment mon cœur commence à faire mal. Bam, c'est comme si je reçois des flèches. Il y a des moments où je reçois des choses, parfois je vais commencer, mon corps va commencer à sentir bizarre. Mais je ne pense pas directement. Dans ma tête, c'est déjà bon, je suis déjà guéri. J'annule ça rapidement et même si la douleur est là, je marche, mais dans ma tête, j'ai déjà effacé ça depuis. Amen. Et je vois que dans les heures qui suivent, rien, tout est annulé. Donc, c'est ça que nous devons en fait mettre dans nos têtes. Alléluia. C'est là que tu vas commencer à avoir un petit mot. J'ai des 10 sur 12 à ma femme. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. C'est pas comme ça, mon frère. Il faut prier. Et la prière du juste a une grande efficacité. Ce qui fait souvent problème, c'est que quand un chrétien prie et que là, il ne voit rien, lui, il pense que Dieu n'a pas exaucé. Mon frère, non. Une fois que tu pries avec foi, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur t'a déjà guéri. Mais ressentir la douleur ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Est-ce que tu comprends ça? Oh, fais un peu cette expérience toi-même, tu vas me venir me dire vraiment ce que tu disais, c'est vrai. Alléluia. Tu peux prier maintenant à l'instant même, mais tu continues toujours à ressentir la douleur. Mais les heures qui suivent, quoi, alors un jour, deux jours, la maladie, allez, ça finit. Tu ne ressens plus rien. Tout part. Mais dans certains cas, quand tu pries, comme je venais de vous dire, quand tu pries, là, immédiatement, ça disparaît et ça part. Amen. En fait, le Saint-Esprit, Dieu fait comme il veut. Nous ne devons pas imposer notre volonté à Dieu. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Il y aura des cas où Dieu va faire que là, tu pries la personne et il est guéri. Je te le dis en vérité. Donc, c'est pourquoi, quand on prie, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de foi. Quand on lui dit peut-être prier pour la personne comment il s'énerve, il fait comme ça. Il ressent toujours la douleur. Donc, il arrive seulement ça dans son cœur. Vraiment, l'homme de Dieu, là, il n'a pas la puissance. Comment ça? Il a prié, mais. Alléluia! Mais il a prié, mais pourquoi le mal est toujours là? Mais c'est vrai, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont dans leur tête, dans leur cœur. Donc, le chrétien commence à qualifier l'homme de Dieu comme s'il n'a pas de puissance. Pourtant, tu es guéri depuis. Alléluia! Pourtant, tu es déjà guéri depuis. Mais il faut juste être patient. La vie ne nous enseigne pas la patience. Amen! Je vous le dis, pourtant, tu es guéri depuis. Peut-être dans les heures qui suivent, tu ne vas plus rien ressentir. Mais tu as déjà commencé à juger l'homme de Dieu. Tu as déjà commencé à annuler ça dans ton cœur. Par manque de foi, je vous dis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc, lisons comme dernier verset. 1 Samuel, chapitre 26, verset 7 à 9. Samuel chapitre 26, verset 7 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. David et Abiscaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saul était couché, était fixé en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abiscaï dit à David, Dieu livre aujourd'hui
ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance, et je le brûlerai en terre d'un seul coup. Oh. 1 Samuel 26, verset 7 à 9. La Bible dit, David et Abigaïl allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait. Alléluia. Était couché et dormait au milieu du camp. Quand un chrétien passe toute sa vie à dormir, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Imagine un soldat en guerre, un soldat à Bamenda, qui passe tout son temps à dormir sur le champ. Oh, c'est qu'on va l'égorger comme une chèvre. Je vous le dis en vérité. Ah, bah, mettre à vous pourquoi là-bas? Oh non. On va t'égorger comme une chèvre. Oh! Je te le dis en vérité. Et voici, ça y était couché et dormait. Au milieu du camp. C'est la même chose que l'ennemi fait avec nous. Alléluia. Pendant que l'ennemi déjà dormait, il vient. Pendant que tu dors là. Toi qui dors beaucoup là. La sorcière va venir là. Certaines choses, je vous dis, il y a souvent certaines choses des films que les gens essaient de faire, des films esprit du monde, des ténèbres, et c'est la vérité. Amen. Donc, des films que des dieux que les Nigériens font, c'est la vérité, et c'est ça que ça se passe dans le monde spirituel. Quand un chrétien est en dormi là, dans le monde spirituel, c'est comme ça, quand les sorciers viennent là, ils vont faire des choses bizarres, des incantations là, même très fort, comme ça, fait des. Tout ça, c'est pour te gâter. Mais Dieu est là. Il finit de s'aimer à toi. Qu'il soit pauvre, qu'il ne réussisse jamais. Il prend encore l'autre, il mélange, il met encore. Et attaché, il sera dit, tu vas jamais te marier. Il fait encore. Et tu es là, tu ronfles. Et c'est comme ça, c'est fini pour toi. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des films qui nous enseignent, des films nigériens, des films que les gens la font. Je vous dis. Il est bien vrai que ces gens sont des mondes, dans le monde des ténèbres, mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Amen. On voit des sorties, il faut des choses contre toi, comme tu es en train de ronfler là. Tout le temps là, c'est la même chose. Mais un chrétien qui a une vie de prière remplie là, alléluia. Quand il va tenter de s'approcher, vous allez voir, alléluia. Donc le feu va se brûler immédiatement et tout est consumé. Tout ce qu'il fait, c'est nul. Donc c'est consumé par le feu. Parce que tu seras quand tu te couches même là, même ton drap là, c'est ça qui est le bien, ça dégage le feu. Le feu est en train de brûler, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Le feu est en train de sur ton drap. On voit deux personnes coucher. Le sorcier vient pour faire. On voit le feu pour en train de brûler. Ah, ils n'ont plus moyen de s'approcher pour faire les incantations, ils repartent. Alléluia. Parfois quand ils vont venir, le Seigneur va peut-être vous. Vraiment, invisible, il ne voit rien, il est là, il va le vite, il n'y a personne, il part. C'est ça, un enfant qui a une vie de prière, je vous le dis, tu n'as pas une vie de prière, tu as la merci du diable, il fait de toi ce qu'il veut. Regardez Saül qui dormait, et la Bible dit quoi? Et sa lance était fixée en terre à son cheveu, et vraiment, c'est terrible. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Dormi. Abigaïl dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Alléluia. C'est ça que tu veux que les ennemis, le Satan parle. C'est ça que tu veux que les démons fassent de toi. Mon frère, le sommeil n'est pas bien. Aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi alors. Je te prie. Je le frappe. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer à terre. Donc il était déjà prêt quand il a trouvé comment il était en train de dormir là. Oh, c'est pourquoi quand un chrétien dort, l'ennemi a tout vraiment. Il a le moyen de tout. Il a tout à son moyen, à son niveau. Alléluia. Il a la possibilité de te frapper comme il veut. Parce que là tu es déjà exposé. Il n'y a pas de protection. Tu es exposé. Si prends, si c'est toi, si c'est le couteau. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens rêvent souvent qu'on les a tirés, on a tiré des fusils. Ça reste entier. Alléluia. C'est ça. Donc, il va prendre des choses, même s'il prend le ballon, tu frappes là, c'est bon, oui, ta chèvre, c'est fini. C'est ça, parce que tu n'es pas éveillé, ton esprit n'est pas éveillé, tu ne pries pas.
Un chrétien a prié, son esprit est éveillé. On vient même le chercher, on ne le voit pas. Parfois on vient, c'est le feu qui brûle. C'est ça un chrétien qui a une vie de prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite vraiment à te lever. Alléluia. À prier. Et toi-même, tu commences, tu verras des choses. Tu vas commencer à voir des choses. Le Seigneur va vraiment te montrer des choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te révéler, te dire, ma fille, voilà ce que tu dois maintenant faire. Maintenant, voilà ce que tu dois faire. Comme je vous ai dit, le témoignage de la personne qui priait chaque jour et qui était fidèle. Le Seigneur dit, ok, aujourd'hui, je te parle. Lève-toi. Je te parle. C'est ça. Ne sois même pas surpris que le Seigneur puisse te parler audiblement. Parce que ta fidélité dans la prière. Commence à te parler audiblement, tu ne dois pas. Il te parle. Alléluia. Comme un père parle avec son fils. C'est possible. Il faut juste te lever. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse.